Là, bonjour. Vous connaissez Devinez les logos. On va essayer de changer un petit peu, de donner un petit coup de frais finalement au concept, à la série, en changeant le fond, le support, puisque ça ne sera plus des logos aujourd'hui, mais des personnages de dessins animés. Ce qui est vachement plus marrant et fun, certes, mais ce qui met encore plus dans une ambiance de compétition, parce que Chris est insupportable. Quoi? Oui, j'avais oublié qu'en fait l'écran ne constituait pas un mur sonore. Non, je suis là quand tu entends ce que tu dis. Non, mais je me dis que tu vas être chiant sur le dessin animé, tu vas être chiant. Attends, mais pourquoi ça sent doux ça? Parce que ton enfant, c'est trop. Comment dire? Ouais. Ça a pris trop de place, j'ai l'impression. Pour une fois, il y a un enjeu, puisqu'en fait, comme il y a toujours un esprit de compétition dans cette vidéo, il y a un enjeu. À la fin de la vidéo, il y aura un effet de montage de 10 secondes. 10 le gagnant secondes. Ouais, 10 secondes. C'est très long, hein. Mais non, vas-y, 10 secondes. Vas-y, 10 secondes. 7 secondes, Chris. Ça fait longtemps que j'ai pas monté, je me rappelle. 7 secondes à la fin de la vidéo, et bien le gagnant pourra exiger de l'autre n'importe quel effet de montage. Par exemple, il y a un dauphin qui passe avec Donc là, c'est Astérix Obélix, c'est un peu a priori. Et puis voilà quoi, bon déjà je vois pas de différence, donc ça va être chiant. Si, si, y en a une. Tu veux que je t'analyse? Ils ont mis Milou à la place. Ça aurait été si drôle. Attends. Oh mais quoi, mais c'est vraiment le jeu des 7 différences, là, c'est abusé. Non. Non mais attends, c'est la petite couette de Obélix. Quoi? Si, regarde, il manque un truc rouge. Mais y'a pas que ça là. Oh là là, mais c'est vraiment horrible. J'avais pas vu ça. Mais y'a sa ceinture à Astérix là. Ah waouh, y'a un bouton jaune sur la ceinture d'Astérix, c'est terrifiant. Ah franchement, ils se sont chauffés là. Non mais c'est clairement celui de gauche, y'a aucun doute. Comme d'habitude, y'a aucun doute, mais j'ai faux. En fait, je pars de la logique que Obélix il a des boutons, tu vois. Donc je pars de la logique que Astérix aussi quoi. Bah, et donc t'as pas de personnalité, c'est celui de gauche, c'est ça? Non mais vas-y, disons-le. Donc c'est celui de gauche. Ouais, je pense, ouais. Bon bah c'est celui de gauche, attention, on regarde ça ensemble. Mais putain! Je n'irai plus jamais à cause. Dites-vous qu'après 5 épisodes, la conviction que j'ai encore, c'est affligeant. C'est rare d'être aussi nul, hein. On passe à la suite, ça fait peur. Scrat dans l'âge de glace. Alors, combien y a de boutons sur sa ceinture? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Eh, mais franchement, la prod, là, ils sont vraiment chauds. Ouais, en vrai, il est chaud de ouf, hein, parce que c'est bien fait. T'as trouvé ou pas? Ouais, il y a une dent. T'en as pas vu la même chose, c'est sûr. Il y a une dent en moins. Ah ouais? Ah ouais, j'avais pas vu ça. Oh, y a, c'est chaud. Ah oh, putain, la couleur des yeux. Ouais. Ah oh, waouh! Alors après, l'âge de glace, c'est un peu éclaté. Donc, je regardais pas trop quand j'étais petit, tu vois. L'âge de glace, c'est éclaté? Un peu, ouais. Fais très attention, en fait. S'il y a des dislikes sur cette vidéo, c'est pas ma faute. C'est ma faute à oui, moi. C'est les gens qui dislikent Chris personnellement. Moi, quand je regarde ça, je verrais des dislikes comme ça, je serais non, c'est pas moi. C'est pour Chris. Bah, clairement, je le vois mal avec des yeux bleus, Scrat, quoi. Ouais, moi, je dis à droite, hein. Bah oui, forcément, tu vas avoir forcément. Raison. Donc, Ah oui, voilà. Évidemment. Comment il s'appelle Zazou, putain, j'allais dire Zabou. Alors, le Roi Lion, c'est. Moi, c'est à gauche, hein, je te le dis. Et si je me trompe sur le Roi Lion, mec. Attends, quelle est la différence? Ah, ok. Non, c'est sûr, c'est à gauche. Je peux pas me tromper sur le Roi Lion, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous avez vu la différence? Il y a des petits trucs sur la queue, sur les plumes. Oh, quoique, à droite, c'est possible. Moi, j'ai envie de dire à droite, j'ai envie de tenter le tout pour le tout. Attends. Alors là. Ça fait combien de fois on peut compter? Combien de fois il a dit à gauche? En mode, je peux pas me tromper sur le Roi Lion. Moi, je dis à droite, je tente le tout. À droite aussi. Franchement, si. T'as dit à gauche, franchement, je peux pas te valider. Mais... Quoi? T'as commencé par être comme ça, en rogant. Déjà, c'est la gauche. Et je peux pas me tromper sur le Roi Lion. Voilà, c'est les premières punchlines qu'il a dit. Oh, tu sais ce qu'on dit? Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, c'est sûr, c'est à droite. Putain, mais tu t'es trompé du coup. Non. Tu t'es trompé? Non, je me suis pas trompé. Tu t'es trompé. Putain, ton but, j'ai bien compris. Ton but, c'est de me descendre. Ah, surtout quand tu dis. Je peux pas me tromper sur le Roi Lion. Bon, c'est à droite, regardez, 3 de 1. T'as eu chaud, mon gars. Là. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il... T'as regardé Pokémon? Non, parce que je sais pas, Pokémon c'est nul en vrai. Il, le seul truc bien dans Pokémon c'est le générique, après le reste c'est le seul animé que j'ai regardé de ma vie, donc tu vas arrêter de le critiquer. Ok, bah c'est cool. Pour moi les deux sont faux là. Ah bon? Ils font la gueule quand même. Ah non. Ah c'est les oreilles. Putain, ils sont... Oh. C'est clairement droite. Putain, je dis gauche. Ah, je le dis, regardez, je le dis, je leur dis. Gauche. C'est gauche, regarde. Yes. Il y a un petit point d'écart, voilà. C'est rien, ça se rattrape. Ah oui, c'était rien pour l'instant. Bob l'éponge, oh putain la vache. J'ai très peu envie de me tromper sur ça, j'ai la diff. C'est bon, j'ai. Ah bon? Attends, c'est quoi? Il a des traits, ouais, c'est ça, c'est les chaussettes quoi. C'est ça que t'avais vu? D'accord, on en est là quoi. Fini les influençages de merde. Bon, Bob l'éponge. Je dis, après réflexion et analyse de ces deux dessins... Juste, moi je vais donner ma réponse après, mais c'est pas parce que tu vas dire droite oui, ou gauche que... Oui, d'accord, ok, je te crois, je vais dire gauche. Ah ouais? Attends, j'allais dire droite parce que les sourcils, ça fait vraiment tâche. Hein. Les cils? Ouais, les cils, ouais. Tu peux pas changer de façon. Ah bon? T'avais dit, oh, je vais pas dire ça parce que t'as dit ça. Et après, tu fais quoi? Oh, bah, je sais plus en fait. Non, mais ça va, oui. Oui, droite, vas-y, droite. Ah, bien sûr que droite, regarde comment t'as. Faux! Oh oui! Oh oui! Mais mec, il a des cils, Bob l'éponge! Bah, ouais, mais je sais pas, ça fait moche. T'as déjà vu une éponge sans cils? Bah, ouais, plein. Ouais, j'avoue.
Ok, donc c'est les mecs le grimpin dans Pizza Planet là. Ouais, tu fais super bien. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant? Le grimpin. D'ailleurs, pour info, on va faire un concept de vidéo inspiré de la scène de Toy Story. Et en fait, on va faire un grimpin géant. On va pendre des abonnés. Quoi? Sur une grue. Et ils vont devoir attraper des objets et c'est les youtubeurs qui pilotent la grue. Ou l'inverse, tu vois. Ok, donc vous êtes un peu déjoué, quoi. Ouais, un peu, ouais. Okay. Un peu, on... des ouais, objets, quoi. Ouais, ouais. Mais ce serait les youtubeurs, du coup, les objets. C'est marrant, non? C'est marrant. Personnellement, je l'ai. Oui, moi aussi, c'est à gauche. C'est à droite. Yes! Je suis content qu'il y ait une différence déjà. J'ai pas lancé le ScreenFlow. C'est pas grave. Ça casse les couilles, mais c'est pas grave. Je peux lui casser le mood assez facilement, en fait, je veux dire. Ton micro ne marche pas depuis le début. Prends ça dans ta gueule. Tu vas gagner le montage. Donc moi c'est droite, toi c'est gauche, c'est parti, on regarde là. Yes. Ah. Depuis quand les patchs sont à gauche? C'est tellement moche à droite. Oh, magnifique ça. Quoi? Magnifique ça. Oh mec. Ah là pareil, j'ai pas envie de me tromper. Ah, c'est à gauche. Tout. Je sais d'avance, mais t'as connu la famille pirate, toi? Mais bien sûr que oui. T'étais même pas né, gros, ferme ta gueule. Appelle-moi monsieur et vous vois moi aussi. J'avoue que c'est à gauche. Bah je pense hein. Parce que la position de là-dedans. Ouais, je crois dans mes souvenirs, elle est là. Ah ouais, je la vois vraiment pas là. Pour moi, c'est vraiment une molaire. Oh, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle une Madeleine de Proust, bien sûr. Il y a la truc qui est pas du même côté aussi là, la petite plume. Ah ouais, le poisson. Du coup, c'est à gauche sûr alors. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, là on peut être heureux. Mickey! C'est marrant comment Mickey est extrêmement connu. Il n'y a pas un gars qui peut dire « Ah, oh, j'adore l'épisode 3 de la saison 2 de Mickey. » Ah oui, il n'y a pas de contenu sur Mickey. Si, il y en a plein. Hein? Ah, il y en a plein. Mais des vieux? Non, des récents. Mais de notre époque, il n'y avait pas de Mickey à la télé, mec. Hein. Bah si, moi j'avais des VHS. De Mickey? Ah ouais? C'est nul, Mickey. Moi, il m'inspire pas, Mickey. Bah, je suis désolé. Je comprends pas pourquoi c'est la star de tout Disney, Mickey, franchement. Même Rookie de Rox et Rookie, il est plus connu que Mickey. Même la mère de Bambi qui se fait tuer au début. Parce qu'elle se fait fumer dans le film. Que... Club des 27. Bon. C'est à gauche. Je sais même pas pourquoi on réfléchit, en fait. J'ai pas la diff. Non, mais t'es con, quoi. Ah, s'il a qu'une oreille. Attends, quoi? Oh, waouh. Oh, waouh. Ok, Chris. Ah, d'accord, donc c'est les bretelles. Est-ce qu'il a des bretelles ou pas? Mais comment il tient son pantalon s'il a pas de bretelles? Bah, avec ses mains, il remonte tout le temps. C'est, ah, c'est pour ça qu'il est toujours comme ça. Les gars, en fait, c'est que mon pantalon tombe. Je suis obligé. Je sais pas, mais c'est une posture de merde. Tu dis droite, du coup. Sachant que je gagne un point. En là, fait, je trouve ça logique qu'il ait des bretelles, mais je trouve ça moche de ouf, quoi. Ah, non, par contre, c'est pas moche. Ça me choque. Ta gueule. Essaye de m'influencer. Non, non, non. Ça me choque pas. Non, ça me choque, moi. Ça me choque, je vais dire gauche. Et c'est maintenant. Ouais, je suis sûr, c'est mon dernier mot. Parce que là, t'as... Ouais, t'as toujours un peu de retard, quoi. Tu fais des trucs de ouf, Squeeze. C'est Squeeze, lui. Ah, d'accord. Ok, je l'ai. De quoi? Attends, t'as le vrai? Ouais. Non mais n'importe quoi. C'est la carapace, là, ça me saoule, j'aurais dû regarder Nemo hier soir. Ils sont chauds, la prod, là, franchement, là. En vrai, franchement, ouais. Ils sont vraiment chauds, là. En vrai, ils sont chauds. Ah, putain, la vache. Gros, ils ont changé la texture de la carapace, quoi. C'est incroyable, où, les trois marches. Ouais, c'est ça qui me dérange. What the fuck. C'est bon, moi, je l'ai, mais... Fouah. Moi, je dirais la première. Je dirais la deuxième. En haut à gauche. La deuxième, orange, dégueulasse, ouais, orange, dégueulasse, ouais. 3, 2, 1. BOUM. Alors, qui c'est qui va faire du montage? Mais c'est moi, mais c'est ah, normal. Bah déjà, il y aura une tortue dans le montage, je te le dis, il y aura une tortue. Oh non. Oh, y'a, y'a. Putain de merde. Tout à l'heure, en plus, j'allais faire la vanne, je me disais, y'a pas Sacha, tu vois. Attends, mais ça paraît, je peux pas me tromper. Elle est où, la diff? Tu vas me dire que c'était de la merde. Oui, mais j'adore le générique. Ah, ouais, d'accord. Oh, putain. Oh non, j'ai vu d'autres diffs. Oh, ça casse les couilles. Oh, waouh, moi, je viens d'en voir une, elle est terrible. C'est quoi, c'est les joues? Alors, ça, je l'ai vu aussi. Ah, donc t'as vu la chaussure. Ça. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas vu la chaussure, non, j'avais pas vu la chaussure. Attends, c'est quoi? C'est l'oreille ou comment ça se passe? Non, je te dirai pas. Non, bah. Alors là, tu peux courir, mon pote. Je dis gauche. Oh, j'ai dit droite. On est à égalité là. Ah ouais, mais tu vas perdre un point là. Oh non. Pourquoi? Gros, le t-shirt. C'est moche, il a un t-shirt vert. Le t-shirt et les chaussures, j'ai reconnu direct que c'était les vrais. Oh, mais South Park, c'est de la merde. Non, c'est pas, éclaté. Oh là là. C'est nul. Oh. Ça te fait rire, toi? Mais mec, c'est incroyable. Mais c'est pas pour les enfants, par contre. Je suis pas un enfant. Non. Si, ça doit être. C'est pour ça que t'as pas, je pense. C'est bon, c'est à droite, par contre. Y a pas de. Moi, je me pose pas de questions. C'est éclaté, mais je connais un peu. Ah oui, effectivement, c'est à droite, avec le pantalon. Bah tiens. Ouais, j'aime bien le... Bah effectivement, c'est à droite, avec le pantalon. Ça ne fait aucun doute. En somme, j'étais à la place de milliers de personnes qui sont fans de South Park et qui ont dit... Vous êtes cons. Si vous êtes fan de South Park et que vous êtes déçus, abonnez-vous et activez la cloche. Oh putain, bah ils auraient dû mettre l'autre pour la vanne, là. Le mec qui était raté, là, du film qui va sortir. Alors moi, je suis un grand fan de Sonic. Hein. Sincèrement, ouais. C'est le genre de personnage dans la pop culture dont je me bats les couilles.
Je m'en bats les couilles de Sonic. Doucement. Je lui chie dessus. Attends, mais... C'est dur. Putain de merde. Le mec, il remet en cause son enfance. Ce putain de merde était d'une tristesse. En fait, les deux peuvent être... Ouais, c'est bon, j'en ai un. Eh, c'est franchement la prod, bravo. Non, y a pas à chier. J'ai choisi. On le dit ensemble. Ok. 1, 2, 3, droite. Oh non. Je voulais dire gauche et j'ai changé aux dernières minutes. Je voulais dire droite, moi. T'as changé aux dernières minutes, c'est vrai. Putain, vraiment, à la dernière seconde, je voulais dire gauche, je te jure. 3, 2, 1. Putain, mais une confiance. Mais quoi? C'est chiant. Qui sait qui va faire du montage? Ah, il y a 2 points d'avance, là. Ah, oh, ouais. Pour moi, évidemment. Oh, c'est dur. Ok, c'est pas grave. On continue, on lâche pas l'affaire. Donald. Et dis pas que c'est de mon époque, hein, parce que je regardais pas non plus. C'est chiant, à la fin. J'ai rien dit, moi. Ok, j'ai. Moi aussi, c'est à gauche. Ah, à gauche, bien bah, sûr. Évidemment, ouais. Je déteste quand on fait ça. On est détestable. Est-ce qu'on est comme ça dans la vie de tous les jours? J'espère pas, putain. Mais attends, mais j'étais persuadé qu'il avait des petits boutons. Mais bien sûr, mais c'est qu'en fait, la prod s'est tellement chauffée qu'ils sont trop bien faits, les boutons. Ça m'énerve. Je veux que ça devienne Donald officiel. Non, mais c'est le dessinateur de Disney, en fait, qui nous en prend. Hein. Vraiment, ils sont venus à la Redbox. Attends, bouge pas de là. Oh, yeah. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, c'est chiant. Ah, c'est facile. Ah, c'est chiant. Oh là là. T'aimes pas les Simpsons, toi, c'est ça? Si. Okay. Mais si, c'est comme South Park, c'est un dessin animé pour adultes, c'est pas pour les enfants. Non, j'adore les trucs dans la vie, vraiment dans la vie globale, dans la pop culture, les trucs où il y a une double lecture. Je trouve ça incroyable. Ouais, mais les Simpsons, où les enfants regardent et les adultes regardent et se disent putain, Pixar, ils arrivent à faire ça, tu vois. Quand t'es adulte, tu te fais pas trop chier, ça dépend lesquels, mais ouais. Tu comprends des vannes pour les adultes, je trouve ça incroyable. Ok, est-ce qu'il a 2 poils sur le billard ou 3 poils sur le billard déjà? Ah, t'avais pas vu ça. Oh putain de merde, t'avais pas vu ça. Chier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme diff? Bah les chaussures. Tu te prononçais juste sur les chaussures. Ouais. Mais le plus choquant, c'est les cheveux. Alors je garde ma réponse, hein, c'est à droite, hein, ça change rien. Merci. C'est à gauche, toi. J'allais dire à droite, ouais. Pour te dire à quel point j'ai pas vu la diff, je m'apprends quand tu vas choisir gauche, c'est ça? Hein? Je t'ai vu venir, mec. Ah, quel bâtard. J'allais dire à gauche. Et je dis à gauche. Bah je dis à droite, hein, toujours. Je voulais pas du tout de prank. Merde. Mais quand j'ai vu que tu croyais ça, je me suis dit oh. Non mais c'est les chaussures, vraiment les chaussures, je voyais pas ça en gris là, je voyais ça en noir vraiment. Mais non, c'est moche. Oh, ah ouais, mais la c'est facile. Ah non, c'est pas facile du tout, mec, là, vraiment, c'est arrogant. Tu sais quoi, je vais suivre mon instinct, mon cœur. Je dis que c'est à droite. Ok, je dis que c'est à gauche, hein. Attends, je suis sûr que... Ah oui, il a remonté à la dernière minute. T'as toujours un point de retard. Oui, mais il reste un truc. Ah quoi? Il reste un seul? Ah non. Mais comment on fait pour... Oh oui! Oh oui! Il doit bien y avoir encore une! Merde, c'est la fin! Mais comment ça, elle a les yeux bleus? Oh, c'est pas la question, Chris. C'est que je vais devoir me remettre au montage après 3 ans, c'est ça la question. Bon, je te fais vite fait, hein. Ce sera pas cali-cali. Hein. Oh bah je me doute bien. Vas-y, passe ta commande. Alors si tu en veux. Gros. Il a déjà... On est dans une prairie, tu vois. Ouais. Et le sol commence à trembler un peu. On est dans une prairie, le sol commence à trembler. Ouais. Oh l'enfer. Et en fait, c'est Shrek qui arrive en faisant des gros pas, d'accord? Ok. Et là, d'un coup, en haut, il regarde en haut, tu vois. Et dans le ciel, il voit un dragon arriver qui crache du feu. Il regarde en haut? Ouais, il regarde en haut, il regarde vers le ciel, quoi. Et là, d'un coup, il voit un dragon arriver qui crache du feu, en fait. Et là, il commence à paniquer, tu vois. Oh. Et il y a genre 3 schtroumpfs qui arrivent et qui lui disent: tu veux de l'aide, Shrek? Non, non, mais là, par contre, ça s'en rentre pas en cette seconde. Eh, hey, ça alors... va, non? Ok, il y a Shrek qui fait un kamehameha et qui tue le dragon. Shrek fait un kamehameha? Mais comment on fait pour bouger ses bras? Eh, c'est... Hey, c'est sur Final Cut que je fais, pas sur After Effects, hein. Et à la fin, quand il a tué le dragon, il pleut des fleurs et tout est bien qui finit bien, quoi. Ok? Je sais pas faire. Mais si, tu sais. Fais chier. T'as le temps, tranquille. T'as le temps? J'ai pas le temps dans ma vie! Putain, c'est l'enfer. Je sais pas, quand t'as rien à faire. Oh là là, heureusement que t'as dit que 10 secondes c'était long. Ah bah oui. Bah voilà, après je te laisse. Génial. Sois créatif, quoi. Bah voici la séquence maintenant que j'ai montée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chris et Amixem pour deviner le bon personnage de dessin animé. Oh là là. Si vous aimez cette série, si vous trouvez que ça change, si vous en voulez d'autres, le petit pouce bleu, l'énorme pouce bleu, le petit abonnement, la petite activation de cloche avec toutes les notifications, tout ça est très important. C'est le pack familial. Vous le posez comme ça, vous le déposez sur ma chaîne. Ça fait plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Scavidar.